mettre pouvoir à l'équipe Cap-Entrion. On peut faire ça demain. Mais on fait garder le dossier Guy Philippe Lanon. Nous allons garder parce que nous entendons un groupe citoyen dans la grande danse qui avertit, qui annonçait que demain, il y aura le gagnant pour faire une sitting devant l'ambassade des États-Unis qui n'a pas au prince. Comme quoi, puis à l'exiger, eh bien, libération, élu Rouen, n'a parlé justement de Guy Philippe. Bon, écoutez. C'est vrai que sur le plan politique, c'est encore dossier Guy Philippe Lan, cap des frères coniques, la baboïcite. Mais faut que nous dit que dossier ça a tellement fait l'objet d'interprétations contradictoires dans la société, hein. Mais surtout dans la classe politique, là. Tellement des positions intéressées, hypocrites qui prennent sous lit, que, ou même qui gagnent pour obligation, en tant qu'analyste politique, pour prendre du recul, pour capable comprendre ce qui a passé, hein, et pour analyser avec objectivité, ça veut dire sans passion aucune, ou vin sentir ou mal à l'aise, au point que ou ap mande ou, si ou faire le devoir de jeter un peu de lumière dans le débat, est-ce que ça a servi à grand chose? Est-ce que ça a utile? Eh oui. Ou mando, pour j'en baille yo, après aller, pour j'en abdi, pour j'en fait, j'en abtende yo, ou mande yo, est-ce que, analyse quoi faire, hein? Est-ce que vous pensez que l'app est dit? En tout cas, il est important pour nous rappeler que, environ 24 heures après que la DIE fin entrée avec Guy Philippe aux États-Unis d'Amérique, il a été traduit par devant un tribunal qui est en Floride, côté après joindre un juge qui t'est communiqué, à avocali tout fait que yo reproché lio. Évidemment, avocat t'est profité, sollicité, liberté sous caution pour lui. Mais un tribunal lan li pat accordé à Guy Philippe, encore moins sa avocat lan liberté sous caution qui était sollicité, hein. Et c'est demain, hein, demain vendredi 13 janvier 2017 là, une date que monsieur blanc américain yo, hein, parle avec lui-même. Il y avait un problème à la 13 là, non? Mais depuis 13 là tombe bon vendredi, américain pas à l'aise. Donc, dans ce sens-là, il est très superstitieux. Gonzamik te même dit, évidemment, ceci reste à vérifier. Si y a des amis aux États-Unis d'Amérique, attendez-nous, comme de fait, attendez-nous. Mais si y a un qui est habitué avec l'hôpital, font-y garder ça pour nous, parce que y a des amis qui fait nous connaît que, même dans l'hôpital, hein, et pas de chambre 13. Donc, ça veut dire que, chaque américain ou paix, avec les chiffres 13 là. Avant de vérifier moins. Nous même qui est là-bas, capitaine d'émission. Hein? Donc, de bout en D, vendredi en 13. Monsieur Blanc américain pensait que son date qui est capable de porter malheur. Et ça fait pas. Ça fait ou pas, hein, pas à l'aise avec lui. Donc, nous dit demain,
vendredi, qui prend le 13 janvier 2017, là, eh bien, Guy Philippe, Cap Gagnon, pour le flanquer très certainement de son avocat, prend le retourner dans le tribunal, là, côté côté justement, eh bien, avocat, ou bien lui-même tout, prêt à le faire juge l'en connaît, eh bien, si il y a plaidé coupable ou non coupable. Et jeudi dernier, jeudi qui était 5 ans, il était fait pas à Guy Philippe de faire que reprocher lui. Et il était voyé en dépôt. Et c'est demain justement, puisque le dossier est en main. Et c'est demain justement que le fait qu'on ait si la plaidé coupable ou bien si la plaidé non coupable. Et là, nous pensons qu'il va falloir que Guy Philippe prenne pile précaution. Parce que, écoutez, nous dit Folta prend pile précaution. Pour qui ça? C'est parce que s'il t'a plaidé non coupable et que la justice américaine t'a gagné en sa possession des preuves tangibles, des preuves irréfragables, des preuves irréfutables qui t'a attesté de culpabilité, ben, écoutez, c'est à presque fini pour Guy Philippe sur le plan liberté. Nous dit c'est presque fini parce que là, il est capable de trouver la situation côté le capable de courir le risque d'être condamné, le risque de se faire condamner à des dizaines d'années de prison. Donc là, nous pensons que faut que Philippe sûr que la justice américaine n'a rien, mais absolument un lien à le reprocher pour le plaider non coupable. Et sérieux? Évidemment, s'il t'a plaidé non coupable, alors pour t'appeler des coupables, mais qu'on y ait un, si, s'il t'a plaidé non coupable, et que avocat t'a même pour le prouver que l'innocent. On dit que faut le prendre pile précaution, c'est la plaider que le pas coupable. Parce que justice américaine prend le vin avec preuve, qui vous dit, mais ça que vous gagnez comme document, et qui montrait que les coupables. Maintenant, si un avocat est capable de démonter sa justice américaine gagne comme preuve, si un avocat est capable à même pour le prouver que l'innocent et que Guy Philippe, client non, ta victime de fausses accusations, eh bien, faites-nous confiance, il a libéré sans aucune autre forme de procès. Il a libéré lui. Parce que justice n'a pas fait même gens, justice américaine non, il va faire même gens, genre, elle a fait pas beau ici, là, non? Un minimum de décence que toujours fait preuve. Nous pas dit que bah il toujours fait j'en prie de fait. Mais quand même surtout dans genre de dossier ça yo pas besoin gain abus qui fait. Puis monsieur innocent il a constaté le point. Il a été prouvé que l'innocent est à libéré. Mais si Guy Philippe, écoutez, t'as fait aveu. Si Guy Philippe t'a fait aveu, comme quoi il t'a reconnaître l'imputabilité des faits qui cause que la justice américaine a poursuivi Lyon et que l'État décide de plaider coupable, ben écoutez, il a condamné. On dit plutôt, ben, il tape condamné. Il tape condamné, sauf que
yo pa tap jam bal et bien toute peine que fait que yo reproche li yo exige yo pa tap jam bal toute quantité peine que ça reproche li yo nécessité non tu veux l'accepter de vouloir accepter que le pédé non le pédé coupable et bien automatiquement juge l'a déjà pensé à réduction peine non. Pour quelle raison? Ben, c'est parce que, eh bien, il a estimé que les collaborer, qui donc, les pas bah y menti, et que les permettre en quelque sorte, que le tribunal n'a pas assez vertué à prouver sa culpabilité. Et nous prenons le plus loin. Si pendant que, li reconnaître culpabilité n'en fait que yo allégué contre li yo et li t'a profité dénoncer ses complices eh bien peine ni a bien pour le réduire davantage et Gonzalier c'est qu'on salteye c'est qu'on salte toujouyer c'est qu'on salier c'est qu'on salte toujouyer. En tout cas, faut que nous dit que tout ça n'a pas dit là, pas fait déjà de Guy Philippe coupable, non. Non seulement et simplement, a montré qui ça qui est arrivé, selon que situation t'a présenté telle ou telle façon, telle ou telle manière. C'est ça seulement que n'a fait là. Donc il va falloir que nous tendons demain pour nous capables faire nous, une idée plus ou moins exacte de ça qui a passé par la suite dans le dossier ça. Cependant, faut que nous dit que, alors, tenant compte de un pile cas que nous déjà gagné en bas de nous là comme exemple. Tenant compte de un pile bagaille que nous ouais qui passait déjà comme exemple, n'a pas demandé nous si sénateur élu a privé sorti dans dossier ça sans que il va laisser plus mener. Alors l'un dit ça, c'est pas que nous laissons habiter par yon, je dirais par une sorte de pessimisme sans merci qui porte nous à croire ou à être persuadé que Bagayo capable de tourner mal pour Guy Philippe. Non. Loin de là. C'est seulement question que nous avons posée en tant qu'analyste. Et question 1, nous poser, c'est parce que nous, beaucoup de gens connaît, donc, un seul compatriote que DIE vient prendre là en Haïti, qui j'aime plaider non coupable. Tout le monde, presque DIE vient prendre là, eh bien, il a toujours plaidé coupable, oui. Ça veut dire qui ça? Ça qui signifie que, la justice américaine pas jamais fait yo abus ni fait mauvais jugement et que c'est à partir de preuves que yo poursuivent yo. Et ça que lien. D'ailleurs, en pile compatriote nous m'envie dit tout tellement reconnaître que yo coupable que yo toujours dénoncer complice qui qu'on a avec yo. Que yo toujours dénoncer complice. Donc c'est ça qui fait que nous avons un pile monde a peu prononcé au sous dossier et surtout sous forme ni mais faut regarder fond tout et même dans forme dans tout nous avons un pile monde par exemple qui a intervenu qui a accusé donc la police comme quoi et DG police nationale là t'a gagné et arrêt ouais écoutez
Et nous quitter côte cadavre et puis n'a prier beaucoup de sécurité. Non. Et la police nationale pas l'autre bagaille que une institution subalterne. Il pas l'autre bagaille. Donc autrement dit, la police nationale pas une institution indépendante. Le l'agit, il agit à partir de l'ordre que nous recevons. Et la police nationale pas l'autre bagaille, il a son institution qu'il a pour exécuter donc des ordres. Il a l'autre bagaille. Il a l'autre bagaille, il a pour exécuter des ordres. Point barre. Ou bien droit reprocher des agents de la police nationale. Ou bien droit reprocher tête police là, par exemple. S'il exécutait des ordres, nous capables de dire qui manifestement illégaux. Là, ou capable critiquer lui, hein, vertement. Par exemple, si y a arrêté moun sans mandat, nous capables comprendre que là, il a mérité reproche. Y a arrêté moun après le que constitution pas prévoit qu'on arrête moun. Et pas gen problème qu'on critique la police nationale. Là le tire sous moun. Pas qu'on est l'autre que joigne, police a tiré sous moun. Donc à comprendre que ben et là et police hein, police là mérite d'être reproché. Mais écoutez, l'on dit que c'est police là qui gain arrêté à sa patient. Écoutez, nous pensons que c'est mal abordé dossier. Hein? C'est mal abordé dossier puisque même propre membre police là, oui, toujours victime de gens d'arrestation ça yo. Et assez souvent, c'est même police nous yo que vous passez, hein, que vous fait arrêter propre frère. Donc il s'en a bien dit là. Nous pensons que quoi j'en t'ai dit première fois que nous t'a prononcé sur le dossier ça que parlement nous pensons que sénatorio nous pensons qu'il appartient aux députés et aux sénateurs eh bien pour y pencher yo eh bien sous question 1 ça veut dire sous accord haïtiano-américain, accord qui autorisait que, eh bien, Yovin prend compatriote là, j'apprends là. Nous pensons que sénateur yo, député yo, au lieu pour y plaigner, c'est un accord là pour y regarder, c'est un accord là qui méritait que vous remettez en question. Qui méritait que vous mettez en question. Et là, tout n'a demandé, pendant que vous avez dénoncé les États-Unis d'Amérique pour Jean que le fait bagayo, n'a demandé, est-ce que nous-mêmes, tout pendant que nous avons signé un accord là, est-ce que nous prenons précaution pour l'île? Parce que écoutez, si vous soumettez un accord à l'appréciation donc, du Parlement, avant que nous ratifions, il faut bien garder lui. Mais nous avons gardé, écoutez, aux États-Unis d'Amérique, yo parlent anglais. En Haïti, langue officielle nous c'est créole, c'est français. Texte est écrit en français. Même pas quoi que États-Unis pral laver li et en français à là-bas. L'a traduit dans langue parlant de telle sorte que pour justice ka comprendre très très bien qui ça qui en dans texte accord là. Mais écoutez, faut que texte en traduit dans langue payo. Est-ce que nous-mêmes, pendant que nous avons ratifié l'accord là, est-ce que nous prenons du temps pour nous garder ouais? Est-ce que l'œil traduit texte là en anglais? Est-ce que les fidèles à texte qui écrit en français? Faut nous garder ça au tout. Parce que pas rien qui dit nous que gagner un article dans l'accord qui dit que y aurait doit venir faire un appel là et que c'est nous-mêmes qui pas comprendre anglais. Et que nous juste ratifier puis nous finir nous bail signature sans que nous pas prendre précaution pour nous bien lire
ça n'a pas gratifié yo. Quoi Jean pile sénateur dou yo même c'est si yo te signé yo pas de prendre du temps pour te bien garder et bien ça yo te soumettre attention yo an. Ça arrive assez souvent nous tendez ça assez souvent dans radio d'ailleurs en pile sénateur fait aveu an, yo dit que il n'avait pas mis du temps yo pas de prendre précaution pour te bien li ça ou te ba ou signé an. Ça arrive tous les jours. Est-ce que nous mêmes nous te garder texte qui écrit en anglais à tout pour te garder ouais est-ce que le fidèle par rapport à tout article qui écrit en français ou est-ce que ça dit ça qui écrit en français hein est-ce que c'est lui-même qui traduit en anglais vrai faut nous garder tout ça donc au lieu que n'a plaigné n'a dit patati patata faut-il bien que nous assumions responsabilité nous hier tel un débat avec docteur Yves Boissonnière. Nous t'a parlé justement de dossier ça. Mais ça nous pas arrivé comprendre dans débat. Et là, il va falloir que Conseil électoral provisoire là arrange les pour rendre bagaille plus clair. Débat, l'était chita autour de qui ça? Ite chita autour de nous-mêmes qui n'arrivons pas à nous expliquer comment yon nèg ki candidat au Sénat de la République li bénéficier de immunité ou pas ka arrêté ou pas ka fait quoi que ce soit on prend rien contre lui sauf flagrant délit alors que li vinn élu li pas bénéficier de même immunité ça. Parce que là, nous perdus. Là, nous retrouvons nos sortes de dédale. Pour qui raison? Yon nèg qui candidat. Écoutez. Li gagne immunité. Mais, et nèg qui élu. Bon, si ou candidat ou gagne immunité, raison de plus pour vin élu pour toujours gagner immunité. Yon. Et c'est ça crivé lorsque par exemple eh bien yo pral proclamer résultat officiel pour affaire président. Si par exemple on prend le cas de Jovenel Moïse. Si résultat définitif dit que c'est lui président automatiquement il gagne droit à sécurité. Parce que là il vient le président élu. Il faut bal sécurité jusqu'à ce que l'arrivée prêtée serment. C'est à lui même bagarre pour sénateur hein, qui est élu. Parce que si Néglan li simple candidat gagne immunité, peut-être qui ça le élu ou pas gagne immunité. D'ailleurs, il vient plus fragile là. D'ailleurs, il vient plus autorité. C'est l'autre monde qui en face, qui perd l'élection, qui perd automatiquement immunité que le gagne lorsque le en campagne. Non? Là, nous pensons qu'au minimum de bon sens, capable permettre qu'on comprenne ça. Nous penser que immunité que candidat a gagné pendant que l'a fait campagne non, ta doit suivre lui hein pendant que l'élu jusqu'à ce que l'rivé donc dans parlement même gens que président une fois que l'élu yo tout bal sécurité pour le pas victime jusqu'à ce que l'rivé prétissement. Donc nous pas arriver comprendre le fait que élu pas gain immunité alors que candidat gain immunité alors que élu en gain autorité déjà en quelque sorte mais candidat son simple citoyen qui est en campagne et que la police doit l'assistance il doit protection et élu en lui-même d'ailleurs par le fait même que l'élu li gain aliéné de sympathie li gain grand pile ennemi li gain droit automatiquement à protection oui. Donc là jusqu'à présent donc nous lancer bagarre c'est débat pas arriver comprendre comment un candidat et le la mener campagne il gagne immunité et puis il vient élu il perdu immunité ça pour la rejoindre puis devant le fin prétendument nous pensons que c'est un non-sens nous pensons que c'est un non-sens et que il va falloir que le parlement et conseil électoral là
re-questionner et bagay sa yo pouwe et est-ce que vraiment pa gon faille nan jan ke nou comprenn bagay yo nan jan ke donc nous interpréter ou il vient ça fait me signe et madame monsieur n'a propose et puis n'a pas tourné tout à l'heure auditeur.